Bonjour à tous mes amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors j'espère que vous allez bien en ce moment de crise, de panique, de peur générale est liée à ce Covid-19, coronavirus qui a une certaine propagation aujourd'hui en France. On a vu les cas de l'Italie, on a vu l'Espagne aussi, enfin il y a plein de l'Europe est abîmée. Voilà, aujourd'hui on va parler de la France et de ce qui peut se passer en France d'ici quelques jours ou quelques semaines. Or, je ne vais pas lâcher une info qui soit honnêtement pas forcément vérifiable et pas forcément. Je ne vais pas faire une crise de panique, mais il se pourrait qu'on nous rentrons en quarantaine d'ici quelques jours, d'ici 2 à 3 jours. Prenez ça en conditionnel, faisait en sorte de savoir. Pouvoir faisait en sorte que si jamais nous sommes effectivement 41, on ne peut plus bouger, on va rester confiné, vous ayez aussi faim à la maison. Vous avez un jour, je ne veux pas vous paniquer, il y a les immobos, relax, paniquez pas, mais il faut se rendre à l'évidence que l'Italie a eu. La semaine dernière, les gens ont tellement envie, je sais plus, il y a tellement d'informations. Par rapport en France, enfin, en Italie, le nombre de contaminés a augmenté assez vite. C'est là où ils ont fait cette quarantaine-là. En France, bah, effectivement, on arrive à des chiffres assez, assez incroyables. Pas encore mort, mais en contamination. Donc, c'est ça, il faut brûler la contamination, il faut brûler ce virus. Alors, bien sûr, tout ce qui est bar, restaurant et qui ferme, bien sûr, il perd les chiffres. Mais bon, si on reste ouvert et qu'on contamine 4000 personnes en un soir, et puis qu'en fait, après, il y a 2000 personnes sur ces 4000 qui meurent, ces 2000 personnes qui reviendront plus en bar, bon, je peux râler, mais en même temps, vaut mieux. Ensuite, voilà, vaut mieux confiner le pays pendant une bonne période pour éviter la propagation du virus, parce qu'il se propage vite. Et donc, voilà, c'est une très bonne initiative, certes un peu tard, mais il faut brûler. Après, il y a des gens qui vont dire ça sert à rien, mais non, il faut brûler, évidemment. Ensuite, bon, voilà. Faites en sorte d'avoir tout ce qu'il faut à la maison et vous regardez un peu l'Italie. Je me suis emmerdé à aller chercher les infos. Je vous dis honnêtement, allez-y, cherchez par vous-même quand ça a commencé en Italie, jusqu'à quand ils ont mis en quarantaine avec le nombre de populations, le nombre de morts. Et vous pouvez regarder un petit peu en France si l'information serait possible ou pas. Après, ça dépend du gouvernement, mais voilà. Il y aura forcément quelque chose d'important à faire et il faut mettre le pays en quarantaine de toute façon. Et puis après, au niveau des morts, alors, il y a une génération du virus qui serait un petit peu qui attaquerait un petit peu les plus jeunes, mais quand on regarde le nombre de morts, enfin les statistiques par rapport à l'âge, c'est souvent les gens entre 70 et 90 ans. Alors, je dis pas. Voilà, on voit bien le virus cible forcément, mais enfin, le virus cible, non, c'est comme ça, que c'est ciblé dans les personnes qui sont faibles immunitairement. Mais après, on pourrait bien avoir une nouvelle génération de virus qui va tout doucement régresser dans l'âge et les 35 ans, par exemple, qui là seraient beaucoup plus violents en nombre de morts, puisque c'est la tranche d'âge la plus générale. Enfin, bon, bref, je suis pas un spécialiste là-dedans, mais bref, il faut mettre le pays en quarantaine, au final, je vois que ça en ouvrir. Nous, on a suffisamment de quoi faire. On a aussi la simplicité de vivre, ce qui amène à pas forcément mais besoin d'aider ou ça. J'en ai déjà parlé. Mais là, encore une fois, on parle de rester confiné à la maison. Il y aura toujours de l'électricité, il y aura toujours de l'eau. Pour l'instant, on aura toujours de quoi s'occuper, entre guillemets, en mode normal. On sera en hibernation, hein, on sera plus en hibernation.
Ou après, on a énormément de bouquins à lire, on a même des sociétés. Donc, on aura quoi faire si jamais ça venait à venir catastrophe. Et ensuite, par rapport à la. Par rapport, je reviens à ce score de PQ, les gens, ils n'ont rien compris, quoi. Ils n'ont rien compris dans le sens où. Bah, si torché. Si t'as rien mangé, tu vas pas te torcher, quoi. Va plutôt acheter à manger et après te torcher. Sachant le PQ, ce qu'on a pris, bah. Un vieux corchon qui peut être largement lavable plusieurs fois et qui peut te servir à te nettoyer le garche. Sinon, tu fais comme Bicorne. Tu prends une feuille de PQ, tu mets là, t'enlèves la merde avec le doigt et puis tu essuies le doigt avec le PQ. Technique de survie militaire, force spéciale, ou ce que tu veux. Mais, voilà, cette panique autour du PQ, ça a été incroyable. Parce qu'au final, les gens voient bien qu'ils sont. Il y a un bourrage de confort. Et au final, on va dire, ouais, mais quoi, il fait des réserves de nourriture, de boîtes de conserve, c'est pas forcément bon. Mais il vaudra mieux manger quelque chose de pas bon, se dire, ah merde, on n'a rien à bouffer. Voilà. Bref. Pour ceux qui regardent ma chaîne, on essaie un petit peu. Bon. Ma façon de voir les choses. Mais voilà, une fois, on voit bien les gens aujourd'hui sont extrêmement bloqués sur le confort, que les choses qui permettent de les maintenir en vie, en fait, c'est que le bonus matériel. Eux, dans leur âme, c'est ça, le bonus matériel va maintenir en vie. Et en ça, j'oublie mes besoins vitaux, qui est de manger, de boire, d'être trop chaud, d'avoir un toit. Et d'avoir peut-être le lien social qui est très important en ce moment, enfin, toujours, mais en moment de crise, on peut être affaibli moralement, d'avoir quelqu'un à côté qui est moralement riche, d'idées positives et de positiver, ça peut que remonter bien. Voilà, je voulais juste faire cette vidéo confinage, quarantaine, mais ça, comme vous voulez. Je vais pas faire de grosses vidéos, enfin de grosses paniques, hein. Je vais pas vous faire paniquer à mort, mais disons, je pense, vu l'augmentation quand même exponentielle des cas de contamination, vaut mieux se préparer au confinage ou quarantaine. On avait prévu de partir le week-end prochain. Bah, je pense que ça vous dépendra de ça. Mais voilà. Préparez-vous. Continuez à vous préparer jusqu'au moment où il y a les sessions. C'est-à-dire que là, actuellement chez nous, bah, l'école en face est fermée. Bon, elle est vraiment fermée. On voit que le gouvernement a. Enfin, ils ont mis les choses en pratique, voilà. Mais jusqu'au moment où les magasins vont fermer, où il n'y a plus rien, hein, ça aussi c'est votre cas, on peut continuer d'aller acheter. Alors certes, si vous ne voulez pas vous faire voir en tant que survivaliste, appliquez la théorie de l'homme gris, n'achetez pas forcément en gros au même magasin, allez acheter différents endroits pour pas vous montrer survivaliste. Appliquez la théorie de l'homme gris. N'oubliez pas, la vie n'a jamais de problème. Mais comme je l'avais dit, j'ai sûrement déjà dit, il va y avoir quelque chose. Et là, ce qui me fait plaisir, c'est que, tout comme avec Pierrot, il ne s'est pas trompé non plus. Je ne suis pas devin, je ne suis pas. Voilà. Mais. Je l'ai senti venir ce machin. Pas la pandémie ou le virus. Mais je voyais qu'il. Voilà, comme je reviens sur cette vidéo pour 2020. Paf, quoi. On est mi-mars quand même. On n'est que mi-mars et on est déjà dans cette panique générale. On a encore vu 2020. Je veux dire, on n'a rien fait cette année et pourtant on y est déjà. Je suis pas devin, mais voilà. Il fallait, de toute manière, c'est un excellent test pour nous les survivalistes,
Par Flippers ou Bruce, voyant, c'est un métier en S pour mettre en place un système de préparation. Voilà, ça c'est bon, ça c'est ok, ça c'est ok. Ah, tiens, là il manque des choses. Je dis pas, hein, je suis opérationnel même globalement, mais il y a deux, trois trucs où j'ai pas. Mais bon, pas mourir non plus. Enfin, on verra si j'ai le coronavirus demain. Voilà, je mange pas pendant 4 jours, et je renforce mon système immunitaire. Bref, ça c'est une technique à voir. Bref, j'en sais rien. Bref, ensuite, voilà, il fallait qu'il y arrive. Bon, soit on va avoir une session dans les prochains temps. Hein, si maintenant le virus décime 1, 2, 3% de la population mondiale. On sera dans un autre monde. On sera totalement dans un autre monde. Mais après, est-ce que l'être humain, doué comme il est, va revenir à ses idées conneries, à ses conneries olympiques? On va revenir dans le monde actuel. Quand il aura été en mal pour un bien, bah, va être complètement détruit et va revenir dans un monde de merde. Soit l'être humain aura compris que bah, effectivement il y a quelque chose qui ne va pas dans notre système. Alors là, je ne parle pas forcément du système financier ou du système économique ou ce que vous voulez, bah, du système de vie qu'on a de tous les jours. Et peut-être il y aura plus de gens qui vont dire, bah, tiens, revenir un peu à l'ancien temps, d'avoir des réserves tous les jours à la maison, parce que rien n'est acquis. Et ça, j'ai toujours dit dans mes vidéos, rien n'est acquis, on ne sait jamais ce qui peut se passer, que ce soit un effondrement, un virus, pandémie, ou juste simplement un incendie ou un dégât des eaux qui vous force à partir de chez vous, ou un pandémie, biologie, bactéries, machin, ils vont vous confiner chez vous. Aujourd'hui, on a plus c'est ça parce que dès qu'il vous manque quelque chose, hop, magasin, et voilà. Si on apprend à revivre un petit peu à l'ancestral, à l'ancienne, ce que j'appelle à l'ancienne, c'est vraiment. Alors, c'est pas revenir à l'âge de pierre, mais c'est vraiment revenir aux besoins vitaux. Et pour ça, je voulais vous présenter un petit livre. Alors, un petit livre qui peut vous faciliter. Ou disons prendre un peu conscience des choses. Donc c'est L'autosuffisance par John Seymour, édition originale de 1976. John Seymour, c'est un excellent. Ce bouquin, c'est une mine d'or. Vous pouvez absolument tout faire. Vous avez tout ce qu'il faut cager. Alors, c'est pas de la permaculture, c'est le jardin classique. Il y a des choses qui sont forcément brisées, vu la date à laquelle le livre a apparu. Mais pour quelqu'un qui veut se réadapter à la résilience, qui veut se réadapter à l'autosuffisance, il est excellent. Vous avez de quoi faire de la confiture, du sirop, mettre en bocaux, mettre en conserve. Stocker les fruits et les légumes, la réserve orientée au nord. Vous avez faire du fromage, faire du vinaigre, faire de la bière, comment faire les vaches, comment faire les chèvres. Vous avez tout ce qui est potager, les céréales, aromatiques, grainer, drainage du terrain, les déchets, l'énergie. Alors, il date un peu, mais en tout cas, si vous voulez vraiment. Je vous conseille ce bouquin si il est encore disponible et si on se fait livrer. Voilà, l'avantage d'avoir des bouquins et d'avoir de la connaissance, cette connaissance à part Alzheimer, personne ne peut vous l'enlever. Vous pouvez peut-être le trouver en PDF sur Internet. Je le mettrai si jamais en lien pour le télécharger, mais je vous conseille vraiment ce bouquin. Il n'y a pas que celui-là, mais en tout cas celui-là il est vraiment excellent. Revenir à l'ancestral, ce que je disais avant, c'est que si ce virus permet à beaucoup de gens de revenir à l'avant, à revenir en arrière, à se poser les bonnes questions, ce virus n'aura pas été un mal.
Voilà, on essaie mon speech là-dessus, j'ai fait il y a un an, on va pas y revenir dessus, mais voilà, ce virus est un excellent test pour les survivalistes. Une bonne chose, dans le sens, si l'être humain veut avancer, parce que de toute manière, si c'est pas ça qui va nous tuer, c'est quelque chose d'autre. Donc voilà, tout simplement, voilà. Je me répète un peu, mais c'est pour ça aussi le coronavirus, hein, on partout parler. Et ça commence à être gonflant. Et c'est prendre aussi un recul sur les infos. Pour dimanche prochain, je mettrai une vidéo promenade en forêt, à mon habitude, et puis cette fois-ci, pas tout seul. Voilà, comme vous le savez. Et puis, comme ça sera une promenade vidéo, une vidéo promenade en mode ambiance, avec sûrement du Burzum en musique. Et comme ça, on se plonge en voyage ancestral, entre guillemets. Sans parler de virus, pandémie, fin du monde. Voilà, c'est le dimanche, c'est promenade. Voilà, je vous mettrai régulièrement une vidéo comme ça. C'est histoire, vous regardez ma chaîne, mais vous ne soyez pas traumatisés par ce qui se passe dans le monde. Et au moins, vous pouvez vous détendre en regardant ma chaîne aussi. Voilà, les amis, moi je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Préparez-vous bien, enfin, faites vos finitions, préparations, je sais pas comment on dit ça. Prenez garde, si jamais. Si jamais il devait y avoir une quarantaine en France, voilà. Moi je vous dis à la prochaine, mes amis. On se tient au courant de toute façon, de toute manière. Et puis voilà. Voilà, ciao, les amis. Ciao, à plus. Et dans la vie, il n'y a jamais de problème. Il y a des solutions. Ciao.